Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode de la série Pokémon version Saphir. J'espère que vous allez bien, que vous allez super bien, que vous allez très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour ce 17ème épisode de la série les amis. En tout cas ce qui est sûr c'est que aujourd'hui eh bien nous allons avancer sur la route 120, sur la route qui nous mènera eh bien vers de nouvelles aventures, vers de... Oh attendez, j'ai pas récupéré l'objet qui est là-bas, on va le faire tout de suite. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Alors déjà, vous allez le voir, j'ai juste évolué piaf d'un niveau, comme ça au moins c'est fait. Et surtout, je vais mettre Man of Steel devant. Vous allez voir pourquoi, parce que Man of Steel évolue niveau 32, on l'a dit. Et Man of Steel n'a plus que 1600 points d'XP à prendre, voilà, quelque chose comme ça, 1700 plutôt. Est-ce que je vais vraiment prendre? Oui, allez, on va quand même aller prendre Nungal au cas où l'objet qui soit là-bas soit important. Ça prend pas beaucoup de temps, au pire ça prend 2 minutes, vous voyez, donc... Donc il y a des Pokémon dont on n'a pas forcément besoin dans notre équipe à cette époque-là. Du genre, qu'est-ce qu'on peut enlever? Ouais, bon. On va vite le savoir. Déplacer Pokémon. Alors, déplacer, équipe Pokémon. On va enlever ce cher et l'exprime pour l'instant. Voilà, tu te mets là. Exactement, c'est ça qu'on veut. Bien, alors on va se dépêcher un peu. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas courir dans les centres Pokémon. On va aller prendre cet objet, puisque notre cher Nungal a coupe. D'ailleurs, on va peut-être garder Nungal, et l'Exprint, on en a pas besoin, me semble-t-il. Donc, on va garder juste Nungal, et puis on va pas se faire chier, parce que bon, voilà. Je me demande pourquoi ils mettent deux arbres au coup. Du coup, je vais pas prendre de risque. Je vais quand même faire bien gaffe à ce qu'il n'y ait pas deux objets dans le coin, les amis, parce que un tir vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà, exactement. C'était pas du tout l'expression qu'il fallait utiliser dans ce cas-là, mais c'est pas grave, les amis. On s'en fiche, on n'est pas là pour faire la linguistique. Putain, bordel, c'est possible ça? Ah si, quand même, et vous me rassurez, j'ai eu peur pendant un moment. Oh bah, attendez, super bonbon. Non, on va pas utiliser pour ça quand même. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avancer, qu'on va garder ce cher Galekid devant, en compagnie de notre cher Tilton. Alors, on est donc parti. Prenez-tu une capacité pouvant toucher un Pokémon en vol? Oui, j'en connais. Genre Fatal Foudre, par exemple. Fatal Foudre peut toucher des Pokémon en vol. Alors, Ornithologue Gino. Natu est envoyé par Ornithologue Gino, niveau 29 le Natu, ça c'est bon, on est largement au-dessus du Natu. Du coup, force, voilà, tout simplement. Ténèbres. Ça va faire quelques dégâts quand même, ah oui. Ah oui, ça fait mal. Ah oui. Ah, il déconne pas le Natu. Bon. Par contre, tu refais... Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Ça fait vraiment mal pour le coup. Je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi mal. 453 points. Ok. Et Lenel va être envoyé. Oui, vous changez de Pokémon. Non, là, il n'y a pas de raison. De toute façon, il va pas pouvoir nous faire grand chose. Puis continue de tomber. Si ça le chante. Vive attaque, ça fait rien. On s'en fiche. En même temps, contre des roches acier, ça va pas non plus te faire grand chose, hein. On va essayer de le faire évoluer dans cet épisode, et dès qu'on l'aura fait évoluer, on va se centrer sur Tilton pour qu'il évolue en Altaria, et il ne restera plus que Lagron à faire évoluer, les amis. Lagron qui est... Flobio à faire évoluer en Lagron. Lagron qui arrive donc au niveau 36. Et à partir de ce moment-là, on sera bon, les amis. De toute façon, vous savez quoi, maintenant on peut voler au centre Pokémon. Ah oui, j'y avais pas pensé, ça m'aurait évité de perdre du temps. C'est pas grave, c'était que quelques secondes de perdu. Ouh, on est tout proche d'évoluer. Tout proche de l'évolution en Galégon, les amis. Et après, non, il restera quand même à le faire évoluer en Galéking. Suis-je bête? Je n'y ai pas pensé. Ah, il y a du ninja et il y a une top dresseuse, très bien. Ah non, c'est une sœur parasol. Ça change rien. Ça ne change rien en soi. Change rien du tout. Morpheo est envoyé. Ah, Morpheo, le seul problème, c'est qu'il a des attaques qui ne plaisent pas. Morpheo se transforme, voilà. Morpheo pluie. Du coup, il va être de type eau. Du coup, je vais plus utiliser des balles météo. Oh merde, c'est quoi ça? Oh, je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Du coup, on va envoyer piaf. Tout simplement. On va envoyer piaf. Eh mais je m'y attendais tellement pas à ça. Bon alors mon grand, on va pas déconner. Hein, on va faire force cachée. Zénith. Ah.
Ah, d'accord. Bon, le force caché devrait faire rien du tout. Absolument rien. Très bien, c'est pas grave. Tant qu'il n'utilise pas un lance-soleil, grêle. Ah, ça me plaît pas trop. Parfait, l'ennemi se transforme s'il veut. La grêle continue, donc ça va m'affecter du coup, j'imagine. Eh ouais. Eh ouais. Danse plus. Voilà, c'est quelque chose que je préfère. Du coup, il a rien d'autre, hein. Franchement, il a déjà utilisé ses 4 attaques. Donc attendez, il a danse pluie, zénith, grêle et balle météo. C'est ça. Ça lui fait que dalle. Comment je fais, moi? Aile d'acier. Zénith. En plus, aile d'acier sur un Pokémon de type feu, ça va pas faire grand chose, du coup. Allez savoir comment on va faire. Bon, on va réussir à le terminer, quoi qu'il arrive, mais... Eh ouais. Du coup, il est type feu. Mais ça nous augmente notre défense. C'est plutôt pas trop mal. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Si tu pouvais faire grêle... Non, dommage. Eldassi est vraiment une des attaques qui peut nous plaire le plus là-dessus. Ça va pas faire non plus beaucoup, je crois, Eldassi, du coup. Eh ouais. Ça, c'est le petit problème, mais c'est pas grave. Fais grêle, mon ami, et là, tu vas comprendre ta douleur. Balle météo. Ok. C'est type... Oh, ouh. Ah, ça fait mal. Fais grêle. Fais grêle, je t'en prie, fais grêle. Eh, putain. J'ai voulu jouer avec le feu. Enfin, avec l'eau, en l'occurrence. J'ai perdu. Ok, d'accord, donc ça fait 2 Pokémon, 2 KO. Bon bah fixette, hein, qu'est-ce que vous voulez. C'est honteux. C'est honteux de ma part de faire ça. J'aurais dû la jouer safe et j'ai pas voulu la jouer safe. J'ai joué au con, franchement. J'ai fait n'importe quoi. Bon bah de toute façon, que voulez-vous, il reste plus rien. Hein. Ce temps perdu, quoi. Et ça a servi à rien, hein, ce combat, en fait. Hein. Ah, du coup, je vais retourner au centre Pokémon, qu'est-ce que vous voulez. Ah, et ça me saoule quand je fais des trucs comme ça et que je fais n'importe quoi. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. Du coup, vol. Hop là. Et la magnifique animation que vous n'aviez jamais vue encore. Oui. Elle est plutôt sympa, l'animation. Pour l'époque, en tout cas, je la trouvais... Enfin, moi, je la trouvais plutôt sympa. On va dire ça comme ça. Bon, soignez vos Pokémon, voulez-vous les soigner? Oui, avec plaisir. Éventuellement. Enfin, voilà. Chacun fait comme il le souhaite. Et du coup, bah, je vais reprendre des sprints, qu'est-ce que vous voulez. Quoique, on sait jamais. Ouais, non, si je le prends, parce que... ouais, non, pas relâcher, ça va aller. On va pas le faire comme ça. Du coup, Ningle, tu restes là. Hop. Allez, cette fois-ci, on y retourne. Et là, normalement, il n'y a pas de raison de se prendre la misère. Enfin, j'espère. Mais non, mais c'est pas là que je voulais aller. Ah, fais n'importe quoi. Je vais prendre le vélo et ça ira plus vite. Hein. Ok, très bien. Donc je rentre dans les murs, c'est parfait. Et j'ai pris le vélo cross, évidemment. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, on va y aller en courant, ça ira plus vite. Que des fails dans cette vidéo, que des fails. Ce n'est pas grave, allez, affronte-moi si ça te fait plaisir. Nous les ninjas, on se dissimule derrière nos capes de camouflage. Je parie que tu ne savais pas où j'étais. Bon, tu sais, entre nous, hein. Bon, alors. Le jeu se fout de sa propre gueule, tu sais. Alors, Man of Steel qui va évoluer du coup dans ce combat. Normalement, hein, si tout se passe bien. Griffe acier du coup. Ça devrait aller, ça devrait me faire un dégât au plus. Alors que nous, notre griffe acier, elle va faire bien mal. Bien comme il faut. Bien comme on aime. Ça a été. Que de faire? Même si c'est du 75% de réussite, je préfère essayer. Bon, bah voilà. Une chance sur 4 de rater, mais bon, c'est pas mon jour de chance aujourd'hui, j'ai l'impression. On va faire 100. Ça va. Franchement, c'est assez ridicule, la façon dont Ningal... C'est sérieux.
Est-ce que c'est sérieux? J'ai une chance sur 4 de rater, les gars. C'est pas non plus... Enfin... Bah quand même, c'est pas trop tôt. Voilà. Bon. Du coup... Ninjask va être envoyé. Voulez-vous changer de Pokémon? Oui, du coup. On va envoyer Piaf. Là, ça va aller beaucoup plus vite d'un coup. Hein. Entre nous... Ça va aller 100 fois plus vite. Du coup, pique-pique ou vol? Je respecte rien ou je respecte rien? Allez, je respecte rien, on va dire. Ouais, par contre, s'il commence à faire des reflets, ça va pas trop me plaire. C'est pas le genre d'attaque que j'apprécie forcément, reflet. Alors, Piaf, normalement, on va évoluer niveau 35, je crois. Hop! Oh, il lui reste 2 PV. Enfin, quelque chose que dans ces eaux-là, quoi. 5 PV, 6 PV, 10 PV, je ne sais pas. Il lui reste quelques PV. On va vite s'empresser de lui enlever. Vous avez normalement entendu des interférences, désolé. Peut-être pas, je ne sais pas. Alors, Ninjask, 930 points d'expérience. Smogo va être envoyé par Ninja Fan. Voulez-vous changer de Pokémon? Non, bah non, je vais laisser Piaf prendre des niveaux. Smogo niveau 28. Force cachée, du coup. Ça lui fait combien? Ça lui fait peu. Force cachée est un peu useless maintenant. Hein. On est d'accord? Potion du Piaf baisse. J'aurais dû faire vol. Hop! Alors Piaf s'envole. Détritus, ça marche pas, mon grand. Pas grand chose non plus, franchement. Je suis assez surpris que ça fasse aussi peu. Bon, allez savoir. On va refaire une attaque vol, voir combien ça fait. J'ai l'impression que ça fait même pas un quart, quoi. Ou peut-être un tiers, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Et ouais, il reste 2 PV, quoi. Ah, mon dieu, ça peut nous coûter cher vu qu'il nous manque de la précision. Non, ça va, c'est passé. C'est passé. Attends, le temps qu'on aura mis sur les combats ici. Bon, on n'est pas sorti, les gars. Perdu, je vais devoir dissimuler ma honte. Très bien, si tu veux. Allez hop, Man of Steel évolue. Ah, ça va faire du bien quand même. Entre nous. Je vais pas vous le cacher, il était temps. Bon, bah on a un Galégon, du coup, c'est pas trop mal. Ça fait du bien. Man of Steel évolue en Galégon. C'est parfait. C'est parfait. Et du coup, on est parti. Alors. Ah, donc il y a des hautes herbes en bas. Ah putain, je le savais qu'il fallait garder. Il y a des baies. C'est juste pour des baies. Bon bah si juste. Alors voyons voir. Non, pas de réaction. Bon. Alors au moins il n'y a pas d'objet caché là-bas. On va juste mettre Piaf devant. Résume. 890, ça veut dire qu'on pourra lui donner le super bonbon après. Les Pokémon ont de nombreuses capacités spéciales pour devenir un des meilleurs dresseurs. Renseigne-toi. Très bien. On le fera. Alors, top dresseur. Jennifer, un Pokémon. Milobelus. Ouh, je m'attendais pas à avoir un Milobelus ici. Ouh, ça va faire mal. Eldassi. Je crois qu'il est type glace aussi. What? Ok, donc il est pas type glace. Ça, c'est une certitude. Va se faire méchamment arracher la gueule. Je m'attendais pas à prendre aussi cher. Bon, c'est pas grave. Avec Usain Bolt, normalement, ça devrait passer au niveau rapidité. Ouais, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas trop de soucis. Ouais.
Là, il y a pas trop de soucis là-dessus et du coup what? C'est sérieux? C'est sérieux? La guérison là? Ah merde. Merde. Et du coup, ça fait pas assez. Bon. Je suis surpris. Et du coup, je vais me prendre un deuxième vibra quoi et c'est fini. Eh ouais. Wouah. Wouah. OMG. La puissance de ce Pokémon, quoi, les amis. C'était vraiment inattendu. Bon, du coup, façade. Putain, il aura fallu qu'il se mette à 3 Pokémon, quoi. Bon, avec une guérison, je veux bien, mais... Avec une guérison, quand même, faut pas l'oublier. On va retourner à Simetronel, du coup, les amis. Putain, on est que là. Putain, les Lucrix, c'est loin, les amis. Les Lucrix, c'est loin. Oh, mon Dieu. Je pensais pas que ce serait aussi complexe. Mais on est au niveau, hein. Enfin, on est pile au niveau, en fait. C'est ça, le problème. On est ni au-dessus, ni en dessous. Peut-être à la XP, les quelques dresseurs que je trouve en off, entre nous. Parce que là, pour le coup, franchement, on manque d'un certain level. Ça, c'est sûr et certain. Waouh, je m'attendais pas à me prendre une telle dérouillée. Là, franchement, je suis surpris. C'est la grande surprise. Bon, du coup, normalement, il devrait plus y avoir de difficultés. On a vaincu tous les dresseurs sur le chemin. En fait, on n'était pas descendu si bas que ça. Hein, y a... Ouh là, putain, il y a des randonneurs. Enfin, des rangers plutôt à ce moment-là, mais... du coup, bah on laisse Piaf devant. Ça me fait bizarre d'avoir Galégon, ça faisait longtemps qu'on avait Galékid en plus. On l'a eu quasiment au début du jeu. Comment te sens-tu? Si tu n'es pas en pleine forme, ça peut être difficile dans les moments critiques. Oui, alors là, par contre, ouais, j'ai bien fait de me soigner, je le sens. Parce que pour le coup, j'ai perdu des grosses têtes. Alors, Nelupio est envoyé, donc ça devrait être facile avec Piaf. Normalement, attention, s'il a Vibraco, ça va faire mal. Vol, je prends même pas de risque. Je ne prends même pas de risque. Nelupio peut l'avoir, le Vibraquoi, me semble-t-il, donc je ne prends pas de risque. Alors, du coup, force nature, ça ne marche pas. Ah, si. Ah, bah non. Non, non, ça rate quand le mec est en l'air. Ok, ça va, j'ai eu peur. Parfait. Très bien. Et normalement, ça donne pas les points suffisants. Non. Donc, il va falloir combattre un deuxième Pokémon avant de passer un niveau, pardon. L'ombré en face, et du coup le troisième ça va être Ludicolo. On va voir un Ludicolo aujourd'hui, les amis. On a déjà eu un ou pas d'ailleurs? On va vite le savoir de toute façon si on a déjà eu un. Bluff qui fait pas si mal, ça va. Coup critique en plus. Donc vous voyez. Alors, du coup. Force nature, très bien. Force nature se transforme en météore, mais ça rate. L'ombrière ennemi rate son attaque et moi j'utilise vol. Boum! Alors, ah, ça fait que ça! Ah, remarquez, c'est un Pokémon évolué. Et je ne le suis pas. Je suis encore un Pokémon de base. Quand on sera en Altaria, franchement, on va tout péter. Mais alors là, pour l'instant, ça pue un petit peu, on va se le dire. Si c'est un Ludicolo, j'utilise pas le super bonbon tout de suite après. Hein. On se mette bien d'accord. Il faut que l'attaque passe. Il faut que l'attaque passe. Hey, ça passe pas. Malheureusement, ça ne passe pas. Et la guérison, mais c'est sérieux. Mais est-ce que c'est sérieux 5 minutes? Je suis déception vis-à-vis de cet épisode.
je n'ai pas du tout aimé cet épisode jusqu'à présent. Il me tarde d'arriver à Nelucric ou tout du moins plus loin, autre part. Mais là pour l'instant, je suis déception. Je suis déception, trop de dresseurs qui utilisent des guérisons. Bon, on aura au moins eu une évolution, remarquez, ça... On n'avance pas là pour le coup, on n'avance pas dans cet épisode. Et ça me déçoit. Et du coup, le météore, ça va faire mal. Ça va. Ça va, c'est passé, et du coup, il nous reste un Pokémon à affronter derrière. Si c'est Ludicolo... Non, Pifeuille. Non. Clairement non. Je vais vous dire tout de suite pourquoi, parce que Pifeuille, on est largement au niveau 2 hein, pour l'affronter. Et de 2... Bluff. Ouf. Non, ça va. Par contre, s'il est plus rapide, ça risque de faire très mal. Non, ça va. Il n'est pas plus rapide... Ah, par contre, il a fait croissance, quoi. Ça... Remarquez, plante sur vol, ça va pas faire grand-chose non plus. Non, ça va, hein. Ouais, non, s'il fait que croissance, c'est bon. Tant qu'il augmente pas sa vitesse, croissance, ça augmente pas sa vitesse. Non, c'est bon. Donc, ça va passer pour nous. De justesse, mais ça passe. Ok. Sauf s'il rate derrière, mais vol... Rate pas, me semble-t-il. Je sais pas si Pia va prendre Aéropic tout seul, faudrait que je vérifie. Parce que Alizé nous a passé Aéropic. Eh, et puis il nous rapporte pas mal. Ouais, donc je vais pas lui donner le super bonbon tout de suite, je vais attendre de passer niveau 33 pour le faire passer niveau 34 direct avec le super bonbon. Et merde. Oh, j'ai fait le con. Et surtout que Linéon, tu peux pas partir. Plus impossible, très bien. Très bien, j'ai joué au con. J'ai joué au con. Allez, laisse-moi partir, s'il te plaît. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Joue pas au con avec moi. T'as pas envie? Oui. Oh mon dieu. Je sors, direct. Oh la blague. C'est donc pour ça que je me suis pris les herbes. Ok, très bien. Bon. Oui. Allez, fuis. Non, n'attaque pas. Je t'en prie. N'attaque pas. Kecléon est un bon Pokémon si tu sais l'utiliser. En soi, si tu sais pas l'utiliser, bah tu pues un peu. Parce que Kecléon, il est trop facilement... Tu peux trop facilement le combo, en fait. C'est ça le problème. Ok, donc lui il est dans son monde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Fixette devant. Parce que j'ai la flemme de retourner soigner. Ah, attendez, j'ai une potion ou pas? Vélocross, Akasu, Météorite, Nuit de Sable. Non, ça c'est mes objets rares en même temps. Huile, rappel, huile max. Ok. Rappel max. Total soin, hyper potion. Mais. Ah, pas le choix. Allez, hop, on a gâché une hyper potion, c'est pas grave. Faut que j'achète des... Oh, dans... Fixette, voilà. Bon, ça c'est fait. What? La couleur du menu a changé ou comment ça se passe? Bon, c'est peut-être moi. C'est bizarre. Ok, donc... Alors... Je vais vérifier si tes Pokémon sont prêts à prendre le grand air. Oh, très bien, vérifie, check. Check, frère. Ranger Carlos. C'est une blague, le nom ou... Pardon. Pardon à tous les Carlos. Alors, du coup, vol, simplement. Franchement, sur un Granipio, ça va passer crème. En plus, on est niveau... Ouais, bon, d'accord, ça va peut-être pas passer crème. C'est pas grave. Ok. Donc t'augmentes tes stats. Pas mal.
Ouais, c'est bon, ça passe. J'ai eu un petit coup de pression, je me suis dit ça va peut-être pas passer. Et puis en fait, si, ça passe totalement. Alors, Pifeuille va être envoyé par Pokémon Ranger Carlos. Non, on a déjà vu qu'on pouvait gérer Pifeuille. Et derrière, il va nous envoyer Lambre, du coup. Ou Tangelis. Et Tangelis... Bah, tu t'enjailles pas, quoi. Lol. Bon, très bien. Ceci étant dit... Croissance, si tu veux. Moi, après tout, je m'en fiche. Hop, un petit coup de vol, ça fait jamais de mal. Voilà. Voilà, c'est parfait. Et derrière, pic-pic. Pourquoi il a pris autant, d'ailleurs? Tout à l'heure, il avait pas pris autant. Ah, d'accord, ok, très bien. Si tu veux. Waouh, il prend cher. Ah, c'est bon, ça passe. Parfait. Et il prenait vachement cher, là. Bon, moi, c'est pas pour me déplaire. Et l'ombre. Comme on l'avait dit, voulez-vous changer de Pokémon? Non. L'ombre est envoyé. L'ombre qui est plus rapide, donc faut faire gaffe. Vol. Ouais, voilà, c'est ça. Donc bluff pour commencer. Comme d'hab. Hein, bien sûr. Évidemment. Les bluffs comme on les aime pas. Les forces nature comme on les aime pas. C'est du météore et ça rate jamais, avec météore c'est puissant. La pluie continue de tomber et du coup, boum, t'as raté ton météore. Et moi, j'ai pas raté mon coup. Ouh, il te reste pas beaucoup. Allez, dans un tour c'est terminé, pic pic. Et c'est fini bientôt, sauf si tu me fais un coup critique. Sauf si tu me sors ton coup critique. C'est bon. Parfait. Très bien. Oh, à deux doigts de passer niveau 33. Bon, pas grave. On donne toujours pas le super bonbon. Là, ce serait vraiment du gâchis. Quelques points d'XP. Hop. Du coup, on va faire un jeu précis. Parce que sinon, on va se faire avoir. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Sérieusement? Ah, mon dieu. Bon, c'est pas grave, on va le faire quand même, lui, parce que du coup, on va se récupérer les points d'XP qui nous manquent. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on dit? On va faire vol. Voilà, tranquillou. Vol et ça passe, oui. Très bien. Lance-boue, si tu veux. Ok, 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 ok. Donc là, c'est sûr, on passe niveau 33 pour moi. Au moins, il n'y a pas de souci. On passe bien niveau 33, parfait. Allez, hop, voilà. Niveau 33, du coup, on va lui passer le super bonbon au petit. Super bonbon utilisé sur Piaf. Qui passe donc notre Pokémon le plus élevé? Waouh! Si j'avais cru dire ça un jour. En même temps, pépite, ah, pas mal. Not bad. Not bad, la petite pépite. Ok. D'accord, et ici je crois qu'il y a le... La troisième... Enfin, une des antres des Reggie dans le coin, me semble-t-il. Me semble-t-il, bien entendu. Il y a quelque chose à prendre ici ou pas? Non, il n'y a rien à prendre. Quoique, attendez. Attendez, parce que bon... Le jeu nous a déjà assez... Non. Pas de réaction. Très bien. Ouh. Alors attendez. Déjà là, c'est le gros troll. C'est genre, je ne te vois pas, mais tu es juste à côté de moi. On a combien de PV avec Piaf? Ok, très bien. Et on en est à presque 30 minutes. Tu veux te battre? Oui, on va faire ça comme ça. Bien. Et on ira prendre l'objet, évidemment, derrière. Alors, un Entomaniac. Entomaniac contre Piaf, ça devrait le faire. Normalement. Putain, c'est mon Pokémon le plus élevé, quoi, les gars. Est-ce que vous réalisez un peu ce qui est en train de se passer? Piaf est au-dessus de tout le monde. Il pète le game, là.
C'est n'importe quoi. Le jeu part en couille. Mais je vais le faire évoluer avant la fin de l'épisode, si c'est possible, évidemment. Bon. Ça m'a l'air d'être un peu compliqué. On le fera évoluer dans le prochain épisode, au pire. Et à ce moment-là, il ne nous restera plus que Lagron et Galeking à avoir, et on aura complété toutes nos évolutions avec 6 badges. Ou 7, tout dépend. Ça dépend de quand est-ce qu'on a Galegon, quand est-ce qu'on a Galeking, pardon. Parce que pour le coup, on va pas l'avoir tout de suite, ça c'est sûr et certain, c'est niveau 42 Galeking. Je crois que Piaf c'est niveau 35, hein, si je me souviens bien. J'ai regardé il y a pas longtemps le wiki, donc... Oui, je regarde un peu le wiki quand même pour bien caler mes épisodes, parce que suite à ce qui s'est passé avec Tarzal dans les premiers épisodes, c'était pas génial non plus. D'ailleurs, au moment où je vous parle... Au moment où je vous parle, on en est à bientôt sortir l'épisode 6, donc voilà pour vous dire que ce let's play là n'était pas totalement tourné en avance. De toute façon, vous le saviez parce que quand j'avais eu le 5ème badge, je vous avais dit que je commençais à diffuser le let's play, je crois, ou quelque chose comme ça, juste après avoir eu le 5ème badge. Hyper potion, bah voilà, ça nous rembourse, enfin, pas vraiment faussement, mais en soi oui, ça nous rembourse ce qu'on avait perdu. Alors du coup, qu'est-ce qu'on... Ouh, bien joué toi. Je suis fait avoir par un ninja, très bien. Bon, ma vie n'est pas encore foutue tant que j'ai pas perdu contre lui. Alors, Smogo en face. Smogo en face, ça devrait le faire, je pense. J'espère. On va faire un épisode un peu long aujourd'hui, les amis. Ah, quoique le dernier épisode était long déjà. Bon, on affronte lui, on termine, on prend les baies, on prend les objets qu'il y a là, et puis on s'arrêtera là. Et on ira à Nelucric la prochaine fois, sûrement en tout cas. Je l'espère. Eldacier, ça fait quoi? Ah oui, ça fait du normal. J'aurais dû pas beaucoup quand même. On va continuer sur vol, hein. Malheureusement, j'ai envie de vous dire. Alors du coup, pic. Smogo KO, Piaf qui a gagné ses points d'XP, Ninjask qui va être envoyé, les amis. Ninjask va être envoyé par Ninja Fan Keneda. Voulez-vous changer de Pokémon? Non, merci, ça va aller. Ninja Fan Keneda. Alors, on va faire. Pic, ça devrait passer. Ouais, ça passe pas super bien non plus, quoi. Je vais quand même faire un vol. Oh, là, ça va faire mal. Là, ça... Oh, ça va. Taillette. Ah oui, Taillette, c'est du type insecte, en fait. Donc, c'est bon. J'avais pas vu qu'il nous restait que 31 PV. J'ai pas fait gaffe à ça. Non, c'est raté. Désolé, mon grand. Non. Oh. Et son turbo lui fait aller beaucoup plus vite. Enfin, pour moi, Taillette, ça faisait super mal dans ma tête, mais en fait, pas du tout. Peut-être que la dernière fois que je l'ai pris, c'était sur un Pokémon Psy. Je ne sais pas. Aucune idée. Allez savoir. Il y a des mystères à tout dans ce monde. Non, mais j'ai encore raté. Ah, merde. Bon. Et pourquoi je rate autant? J'ai pas de bol ou... Je sais pas. Allez savoir. Turbo de Ninjas qui augmente sa vitesse, si tu veux. Là, ça va faire mal. Non, c'est bon. Augmente beaucoup, moi je me disais, ça va vraiment faire mal et tout, mais en fait, pas du tout. Faut se rappeler quand même que Ninjask est une sale merde, à la base. Voilà, bon, ça c'est fait. On ramasse tout autour et puis on s'arrête là, les amis, parce que cet épisode a un peu duré quand même. Je déteste les très hautes herbes. Eh ouais, je déteste les très hautes herbes quand je vous le dis. Mystère, bah. Non, merci. Est-ce qu'il y a moyen, vous pensez, de le faire évoluer? Oui, il y a moyen. Ah, mais en fait... Non, l'antre du Reggie, elle est là. Eh, eh, oui, la voilà, l'antre du Reggie. Tout simplement. Donc, je ne sais pas où sont les deux autres. Je sais qu'il y en a une dans le désert, et la dernière, aucune idée. No fucking idea. Ce qu'on va faire, les amis... Je vais encore gâcher une hyper potion, mais je veux avoir mon Altaria dans cet épisode. Quoique c'est un montagnard quand même, hein. Faut se méfier. Mais j'ai Eldacier.
Vous savez quoi, je prends le risque. Je prends le risque. Oui, oui, et elles existent. Elles existent, mais ça tu peux pas le savoir, mon grand. Alors, ruine maniaque, qu'est-ce que tu peux bien avoir? Des sabelettes. Bon, déjà, ils peuvent pas affecter avec des attaques sol, donc c'est une très bonne chose. Et moi, je peux vous affecter avec des attaques de type vol. Eh, si j'en avais. Et si ça vous faisait quelque chose aussi. Merde. Aïe. Bon, alors, aile d'acier, ça vous fait quelque chose au moins, ça? Un peu plus, disons. Tu peux pas me faire d'attaque stabée. Du coup, l'épisode va vraiment durer 40 minutes, en fait. Empoisonne pas. J'ai peur à chaque fois. J'ai pas envie qu'il empoisonne. Boum. M'empoisonne pas. Ok, c'est bon. Normalement, le sabelette devrait passer. Est-ce qu'on va évoluer, vous pensez, pour finir cet épisode? Oh, je veux l'évolution. Tranche, si ça te fait plaise. Ça fait mal. Mais ça passe. On termine sur un petit pic-pic des familles, voilà. On y est presque. Non, je vais pas changer de Pokémon. Me fais pas de jet de sable, toi. Fais pas le con, Johnson. Aile d'acier. Ça devrait faire du bien. Allez, boum. Voilà, exactement. Oui. C'est ça qu'on veut. Attends. Allez, aile d'acier. J'ai confiance. Par contre, lui, il fait que des tranches. Non. Non, le refus. Ah, c'est dégueu. C'est pas grave, je vais le rappeler. Je veux mon Altaria, les amis, avant de finir cet épisode. Je ne finirai pas mon épisode sans mon Altaria. C'est hors de question. J'ai des rappels, je le sais. Oui, je vais gâcher des rappels, c'est pas grave, on a masse de thunes. Voilà. Je veux... Fais tunnel, c'est bien. Fais tunnel, si tu veux. Surprise, motherfucker. Boum. Et là, tu dis quoi? Hein? Bah, tu dis rien. Voilà. Aile d'acier. Normalement, ça devrait faire du bien. Boum. Voilà. Et là, tu te reprends tes coups critiques. Et là, tu dis plus rien. Ouais. C'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave. C'est pas le genre d'attaque qui me plaît, on va dire. Mais c'est pas grave, moi, ça passe. Ça passe, j'ai mon niveau 35, dis-moi que j'ai mon niveau 35. Oh, à deux doigts. Non, d'abord, on ne change pas de Pokémon, et oui, après, on va envoyer, du coup, Flobio. On va finir ce combat en beauté, les amis. Objet de sable, si ça te fait plaise. Et moi, je te termine en beauté sous les 40 minutes. Bon, après, on récupère tout dans la zone, hein, on déconne pas non plus. Surf, ça passe. On a gagné contre un montagnard, les amis. Attention. On est puissant. Dis-moi qu'il évolue, parce que si j'ai fait une erreur sur les niveaux, je vais me sentir tellement mal. Oh yeah, best Pokémon ever. Pas du tout, mais au moins c'est un très bon Pokémon Altaria, bien meilleur que tout ce qu'on a pu voir précédemment. J'aurais gâché un rappel et deux hyper potions pour toi, j'espère que tu le mérites. Votre Piaf évolue en Altaria. Oui, parfait. Très bien, Draco souffle, oui. Oui, éventuellement. Oui, alors on va enlever, du coup. Draco souffle, ça fait 60, et c'est de type dragon. Force cachée, ça fait 70. Tout fait 70, sauf pic-pic. Tada. Et Piaf apprend Draco souffle, parfait. That is what we wanted, with my perfect English accent. Alors par contre, les objets, peut-être comme ça,
Enfin, c'est peut-être qu'il y a des objets dans le coin. Non. Pas du tout. Très bien. Alors, du coup... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Non, pas de réaction, très bien. Toi, tu me saoules, toi, le petit. Hein. Bon, alors, on prend les baies. Et on arrêtera l'épisode là, quand même, parce que... Ça commence à être un peu long. Tout petit peu, quand même. Et du coup, tac, tac, les baies Non. Et il y a trois baies repois. Cueillir les trois baies repois. Merci. Voilà, voilà. Sommes à nouveau. Meuble est fertile. Très bien. Il y avait d'autres choses de l'autre côté, me semble-t-il. Hop, mon petit Flobio. Allons-y. Let's go. C'est parti, les amis. Total soin. Y a-t-il des objets cachés? Sac. Je cherche objet. Non, pas de réaction. Très bien. Très très bien. Je me demande si au fait j'aurais pas tourné deux épisodes à la suite. Je pense que je vais faire ça plutôt. Vous savez quoi? Non, je vais pas planter de baie, vous êtes malade. Oui, je pense que en fait, on est dans un autre épisode là. On est peut-être dans l'épisode 18. Du coup, je vous aurais pas dit bonjour, c'est pas grave, bonjour les amis. Après sûrement 10 minutes d'épisode, mais bon, c'est pas de problème. C'est pas de problème. Du coup, toi, t'es qui? Quand tu secoues... Ok, très bien. Ça, on s'en fout. Begowav. Oh, en fait, j'ai bien fait de lui répondre oui. Ok, très bien. Très bien. Bonjour. Ah, des kinésistes. Ça commence? Bon, bah, ça commence. Ah, par contre, j'ai pas mis les autres devant, du coup. J'aurais dû mettre Lagron devant. Misty Maniac. Ouh, ça pue un peu les noms, quand même. Alors, voyons voir le Draco Souffle, déjà. Violence. Oh, mon Dieu. Oui, oui, on va changer, quand même. On va envoyer Lagron. Bon, du coup, le but, c'est de les enlever tous au niveau 35. Alors, Skelenox, on va faire un petit surf, du coup. Et Lagron, niveau 36, évidemment. Bou, niveau 36. Appelons-le Bou, comme ça, au moins, il n'y aura pas de confusion. Tire de Bou, d'ailleurs, en parlant de Bou. Très bien. D'accord. Tu as décidé de m'énerver. C'est pas grave. J'accepte. Je suis dans l'acceptation, de toute façon, mon ami. Donc, ce n'est pas grave, c'est pas grave. Je te pardonne. Il n'y a pas de souci. Stimadek, Tavnia, ok, très bien. Non, vous savez quoi, je vais arrêter quand même l'épisode ici. Je vais arrêter l'épisode ici, les amis, donc j'espère qu'il vous aura plu. Et moi, je voulais vous dire à la prochaine, j'aurai soigné mes Pokémon et tout ça et tout ça. Qui c'est que je vais mettre devant? Je vais mettre Fixette devant. Et puis, moi, je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, les amis. Cet épisode aura duré beaucoup trop longtemps, mais c'est pas grave. Allez, bye tout le monde!